business. Mais c'est toujours la copie, hein. L'idée de la copie, c'était aussi fabriquer un peu en masse dans les églises en France au 19e. Napoléon, il en a envoyé comme on envoie une photo aujourd'hui. Hein. Oui, voilà, donc c'était fabriqué rapidement, c'est pour ça aussi avec peu de scrupules aussi sur l'emploi des liants et des cicatifs. Et c'est ça qui provoque aussi beaucoup de craquelures prématurées. Oui, voilà. Là, en rasante, on le voit. C'est le développement en fait de la moisissure elle-même. C'est le mycélium qui s'est nourri et ça fait ces petits îlots des développements un peu partout. Qui sont, vous savez quoi, des déjections d'insectes. Et en fait, ça, c'était la nourriture pour les moisissures. Au fur et à mesure que le temps est passé, ben ça a proliféré tout autour de la source de la contamination. Et il y a une acidité qui altère quand même ponctuellement toute matière jusqu'à à sa disparition. Et vous voyez, il y a des usures, parce que là on le voit encore sur les parties non nettoyées. Ce sont des usures qui sont dues à cette attaque fongique, en fait. Il y a des coulures de vernis, parce qu'à mon avis, ils ont nettoyé autour de la main, le reste, ils l'ont laissé, mais le vernis, il a coulé. Et ils ont rehaussé, avec cette fameuse substance organique, le contour de la main. Donc, c'est une intervention un peu orthodoxe, on va dire. Et nous avons une usure quand même. Hein. La peinture, elle est usée en dessous. Ça, c'est un test de dévernissage, donc des suppressions de vernis. Et nous voyons qu'on a une moindre... On n'a plus de fluorescence. Là, on a du vernis. Et là, on n'a plus de vernis. Dans les carrés de dévernissage, il n'y a plus de fluorescence. Parce qu'en fait, les UV nous permettent de voir la fluorescence d'un vernis, voire de plusieurs vernis. Et c'est comme ça qu'on établit
les diagnostics aussi sur les repeints, les vernis successifs, les coulures, les vernis originaux et les vernis de restauration. On a mis un papier Japon avec la méthylcellulose. Mais alors là, voilà, là on est dans les zones où on voit vraiment toutes les craquelures qu'il y avait. Ça, c'est des craquelures, oui, des soulèvements, parce que la préparation, voilà, la préparation, elle est fragile. Une fois qu'on l'aura décrassé, on fera des tests sur le vernis. Pour l'instant, c'est pas possible parce qu'il faut qu'on le dépose. On va le retourner, on va le déposer du châssis. Ouais. On va le mettre en tension sur un bâti, les bâtis de tension. Et après, une fois qu'il sera tendu, déjà il sera moins fragilisé, on pourra retravailler sur la face. Ouais. Progressivement, on va enlever les fessings en humidifiant, ouais, décrasser les parties où on peut décrasser. Et une fois qu'on aura fait ce décrassage, il faudra faire un refixage généralisé, à mon avis, par le revers. On sera obligé soit par le revers, soit par la face et sur la table chauffante. Il faut reprendre cette adhésion qui est vraiment très fragile entre la préparation et le support. Thank you.
en fait, ce que j'ai fait autour, c'est que je sature à nouveau mon vernis, parce qu'avec l'eau, enfin, le nettoyage du vernis, ça fait des blanchiments, donc du coup, j'ai pas la même perception de la couleur. Et en fait, ça, c'est une spécificité de la France. Au 17e, au 18e, si vous voulez, les dorures italiennes ou espagnoles sont soit toutes mates ou toutes brillantes. En France, il y a une alternance souvent brillant, mat, brillant, mat, brillant, mat. Et ce qui fait que les dorures françaises sont quand même beaucoup plus légères que les dorures italiennes ou espagnoles. Parce qu'il y a cette alternance-là qui donne un peu de profondeur au cadre. Le but avec les fers, c'est que oui, on déborde un minimum. Si vous le faites au papier, vous allez écarter et puis vous allez vous allez enlever de la dorure d'origine beaucoup plus. Donc on a une vingtaine de fers qui nous servent à poncer et faire la reparure. La reparure, en fait, c'est quand on a blanchi ou enduit une sculpture. À redonner toute la nervosité à la sculpture avec nos outils. En fait, on peut comparer ça à une gouge. La gouge, on pousse, et nous, la différence, c'est qu'on tire. Et on enlève un petit peu de ce qu'on appelle l'assiette, mais on enlève très peu de... On ne creuse pas dans les enduits d'origine. On s'arrête juste au niveau de l'assiette. Et là, si on s'arrête au niveau de l'assiette, c'est qu'on est au bon niveau. L'assiette, c'est le rouge qu'il y a au fond. On va remettre la même couleur d'assiette, donc trois couches. On va reposer l'or dessus. Et l'or qu'on va poser va être brillante. Il va falloir l'user et la colorer pour que le raccord qui est ici s'harmonise avec ce qu'il y a ici. On vide un carnet ou deux, et après on les reprend une par une. Il faut mettre pas mal d'eau pour que la feuille se tende. Voilà, j'ai pas de petit pinceau pour la tirer. Mais voilà. Vous voyez ? T'en veux un petit pinceau ? Non, c'est bon. On arrive à la bouger, à la déplacer comme on veut. Voilà. Et là, c'est répété tout le long. Il y a des feuilles comme ça, on peut en poser 600 à peu près de gens. Enfin, moi, j'en pose à peu près 600. Souvent, la feuille d'or fait à peu près 8 cm sur 8 cm. Et au 19e, il y a eu des feuilles un peu plus grandes. Donc là, comme là, il faut à peu près 8. On va essayer de remettre de l'or qui fait à peu près 8 pour respecter le... Et puis, quand on la nettoie un peu comme ça, enfin, juste un petit coup d'éponge comme ça, ça nous permet aussi de voir la couleur de l'or. Parce que, à savoir que l'or, on a à peu près une panoplie d'une vingtaine de couleurs d'or. Donc, il faut essayer de remettre au plus proche la plus proche couleur de l'or. Le fronton, là, il était très malade, parce qu'il était cassé ici, cassé ici, tout le bas était cassé. Il est arrivé dans cet état-là, quoi. Donc ouais, en enfonce longue, le bois est tout mou et il est presque foutu, quoi. Enfin, c'est une éponge, hein, je pense qu'il a perdu peut-être pas la moitié de son poids à cause des bestioles et des galeries. Donc il fallait absolument tout de suite le reconsolider. Ça, c'est des morceaux de bois qui étaient derrière, donc qu'on a consolidé pour en même temps pour vérifier la dureté du bois. Vous voyez, il est redevenu costaud, quoi. Et là, l'avantage, c'est que
on peut se greffer une résine époxy pour pouvoir faire les raccords. On pourrait dire c'est du bois, on refait des raccords de bois. L'inconvénient des raccords de bois, c'est qu'il faudrait enlever tout ça pour faire un collage, pour aller chercher le bois sain. L'avantage de la résine époxy, c'est que avec le temps, si on voit que la résine vieillit mal, on fait fondre l'isolant paranoïde et on enlève la résine en gardant un maximum de bois d'origine. Donc des fois, il faut savoir allier les techniques modernes avec les objets anciens. Donc là, il était consolidé. Rien que dans la coquille, là, on a glissé quasiment 1,5 litre de résine, tellement il était vermoulu, quoi. Bon, il y a encore un gros travail de finition là, sur les masses de collage. Là, on a refait un moulage, donc pareil en résine, qu'on va refixer ici. Après, il y aura un gros travail de refixage des enduits. Donc là, ça va être colle de peau de lapin. Et puis, une fois que le refixage est fait, on va faire des ragréages. Ragréage blanc de meudon, colle de peau de lapin, ponçage et la pose de feuille d'or. Et il va repartir, il sera consolidé, nettoyé et en bon état. Niveau d'approcher. Comme ça. C'est. Hein?